Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des bottes, boots, parce que la dernière fois, je vous avais parlé des chaussures plates. Donc, des bottes, boots, tendance pour cet automne 2023. Okay? On commence avec les Santiago. Les Santiago, elles font un grand retour cette saison. C'est pas très étonnant parce qu'en fait, elles s'ancrent dans une envie de liberté, une envie de s'évader des villes. C'est ce qu'on a constaté avec la crise du Covid où les gens étaient enfermés chez eux dans les villes. Ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était plus sympa de vivre à la campagne. Donc ça se matérialise dans les envies fashion, entre guillemets. Et donc la boots, la Santiago, donc les grands espaces américains, voilà, la liberté, l'esprit, ce fantasme de la petite maison dans la prairie où on vit, on s'auto-suffit, la Santiago porte tout ça en elle. La différence avec les années précédentes, c'est qu'on est plus sur une botte qu'une bottine. Avant, on avait comme cette boot western qu'on voyait beaucoup chez c'est la Dickies, ou Bobby's, ou les deux, chez Isabelle Marant. Là, on est plus sur une botte mi-mollet, voire sous genou. Donc plus une botte qu'une bottine, plus qu'une botte qu'une boot. On a des modèles assez différents qui vont du très travaillé, comme celui de Gany que vous voyez là, voilà, où il est rebrodé. On est sur une Santiago qui a une dégaine de Santiago traditionnelle, mais allégée, sans être aseptisée. Moi, je l'aime bien celle-là. Après, on a une botte un peu plus sobre chez Walson, qui est dans le plus la botte boots qui a un peu vieilli. Le cuir est plus souple, elle sera plus facile à enfiler. Là, on est plus dans quelque chose de on est plus, c'est plus sobre. Et contrairement à la Gany où la Santiago est à elle-même un point fort de la silhouette, on peut faire très simple sur le reste. Là, avec cette boots chez Wilson, boots bot, eh bien, on a toute la liberté de faire beaucoup plus chatoyant sur le reste du look. On peut porter une jupe glitter avec un gros pull irlandais ou une robe pull ample violette avec une casquette camel. Vous voyez, vu que la Santiago est sobre. Ça, c'est des Santiago, les deux, avec des talons bisautés qui n'ont pas plus de 3, 4, 5 cm max. Après, évidemment, on a des Santiago qui ont été travaillés avec un talon plus aiguille, voilà, plus fin. Là, c'est déjà plus compliqué parce que c'est chez Kate. C'est une Santiago plus près de la jambe. La tige est plus haute. Et on a en fait une sorte de féminité qui est insérée dans ces boots qui normalement doivent être unisexes masculines, d'accord? Et c'est toujours le problème quand on s'empare de basiques comme ça qui ont une identité assez forte mais assez marquée au niveau du genre. Si on essaie de la féminiser, on arrive sur un produit qui manque de caractère ou alors qui a un caractère qui est un peu déséquilibré ou brinque-ballant. Et quand on le porte, ça se sent. Donc, cette botte, donc elle est plus sophistiquée, on peut avoir envie de la porter. Moi, je sais pas, moi j'irais plus vers un modèle plus proche de l'original, mais celle-ci, on peut la porter. Si on la porte, eh bien, je vous conseille de la porter par exemple avec une robe portefeuille et une veste en jean, ou une robe pull assez très ample, très moelleuse, pour avoir un aspect cocon qui est contrebalancé par le côté pointu de la boot. Donc voilà, je vous ai fait un petit look avec les boots Gany parce que c'est moi, c'est mes préférés. Imaginez, vous les mettez avec quoi? Avec des hautes chaussettes dans un bleu violet qu'on fait froncer à la sortie de la boot. On a quelque chose pour contrebalancer le côté roots. On a quelque chose de très classique avec une robe chemise, un peu voilà Oxford, style chemise Oxford. Et pour réchauffer, donner un petit peu de ce côté un petit peu preppy qu'on a, preppy ou gentleman farmer qui est très dans l'air du temps, une veste en tweed. Veste en tweed, robe chemise, chaussettes qui donnent un peu de fantaisie et qui réchauffent, et Santiago. Et pour moi, on a une silhouette là qui fonctionne avec l'air du temps sans être caricaturale. Attention, attention, avec les Santiago, on peut vite se planter. Par exemple, si on a. Comment dire? Si, attendez, je vais vous trouver. Oui. Si on a une boot, on a la Santiago, d'accord? La Santiago, elle est souvent à bout pointu. Elle est souvent à bout pointu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on a un pantalon qui se resserre, comme beaucoup des pantalons et des jeans actuellement, eh bien, on a un effet bouteille d'Orangina inversée. Et ça, franchement,
c'est quand même pas le truc le plus flatteur du monde. Donc avec les Santiago, on évite de mettre des pantalons qui se resserrent au niveau de la cheville. On évite aussi d'avoir des Santiago qui vont être trop hautes sur la jambe. Ça fait, là, on est sur de la mi, comment dire, presque de la cuissarde. Enfin, qui arrive au genou, vous voyez, c'est mi-botte, mi-cuissarde. Et alors là, bah là aussi, on est sur un produit qui est indéfini et donc qui parasite l'allure. Faut vraiment faire attention à ça. Et après, il y en a qui insèrent la Santiago dans des looks extrêmement originaux. Alors là, bah moi, je vous laisse juger. Si vous avez envie de ce genre de choses, allez-y, faites-vous plaisir. Prenez les vêtements bigger than life possible et insérer des Santiago dedans. Là, vous ferez plaisir à tout le monde, aux passants, à votre gamin qui vous trouvera très rigolote et puis à vous-même quand vous croiserez votre regard dans la glace. Ou pas. Donc, vous faites comme vous voulez. Donc, là, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur les Santiago. Après, on a ces fameuses bottines qui, moi, me rappellent les années 90. Donc, c'est une bottine qui enserre le mollet et qui a un talon aiguille. Elle est généralement noire. Il y a différentes variations, hein, parce que vu que beaucoup de créateurs se les sont appropriés, mais généralement, c'est ça, leurs caractéristiques. Chez Off-White, on a quelque chose avec un bout très pointu, et talon très très fin. Là, pour moi, le bout est trop pointu et ça va allonger le pied et ça va pas être très flatteur. Chez Loewe, le talon est légèrement sablier, donc on a quelque chose d'un peu moins premier degré. On n'est pas dans le talon aiguille pur, moi j'aime plutôt bien. Et l'encolure de la, de la, de la, le col de la bottine rappelle la fermeture de leur sac, du flamenco, un de leurs sacs phares. C'est une bottine qui est intéressante et en plus le fait qu'elle n'enserre pas complètement la cheville, on peut avoir un effet de... Ça peut affiner la cheville, le fait que ça ne soit pas moulant autour d'elle. Après, on a une bottine chez Staud beaucoup plus facile. C'est pas du talon aiguille, mais on a un talon qui est quand même plus fin que la moyenne. Elle enserre la cheville, on garde l'esprit de ces années 90 sans être dans le Off-White qui est vraiment très 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 marqué, d'accord? Si on a envie de savoir comment les porter, moi je vous conseille d'aller voir chez Edie Slimane. Vous allez me dire, ah, tu parles tout le temps d'Edie Slimane. Oui, et qu'il y a d'autres marques, et oui, évidemment qu'il y a d'autres marques, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres marques qui proposent un stylisme qui soit inspirant. Allez, envoyez-moi hein, les lookbooks et tout ça des marques, parce qu'en fait, souvent, bah, en fait, ils copient ce qui s'est passé sur les collections des Céline, des Balenciaga, etc. Bref, chez Céline, il propose sur certaines de ses silhouettes ses boots. Et donc, il les traite d'une manière très années 90, avec un jean large légèrement court, un sous-pull, un blazer. Ça marche aussi avec un trench sur ce genre de look. Pensez, en fait, les looks de Winona Ryder, je ne sais plus comment on dit. Pensez à cette fille-là dans les années 90. Alors, des fois, elle avait des Rangers, mais on peut très bien la voir avec ce genre de boots, une petite robe fleurie à fines bretelles ou à petites manches un peu bouffantes. Et là-dessus, un par-dessus qui réchauffe, où ça peut faire aussi l'esprit un peu grunge de cette fille ah oui, oh là là, de Helena Bonham Carter, dans le film avec Brad Pitt. Et le nom m'échappe encore, c'est un truc de ouf, c'est pas grave. Peu importe. Vous voyez ce style? Du délicat, du limite vulgaire sur les chaussures, et avec quelque chose après qui enrobe, qui protège par-dessus, gros pull, gros gilet. Ça fonctionne bien. Après, chez Céline, ils proposent aussi une silhouette où c'est une jupe glitter avec un haut sportswear. Ça peut être, c'est un petit peu audacieux, mais moi je trouve que c'est tout ce qu'il faut en fait. Parce que on a du glitter qui télescope le côté sportswear et le sportswear est télescopé par les bottines à bout pointu qui ne sont pas du tout dans l'univers, qui font urbaine et qui ne font même pas soir comme la jupe glitter, vous voyez? Donc il y a aucun des éléments qui fait partie de la même famille. Et si on les choisit bien, ces éléments, dans différentes familles, on arrive à créer des sortes de cadavres exquis bah, qui percutent et qui fonctionnent. Donc vraiment, franchement, Céline, là, j'ai rien à redire. Allez-y, allez regarder. Et si vous avez envie d'aller à la source, allez regarder, taper. Les personnes que vous aimiez dans les années 90, Cindy Crawford, enfin toutes ces personnes-là, et regardez leur look. Et en fait, il suffit de reproduire leur look avec ces chaussures et vous êtes sûr d'être dans l'air du temps.
C'est pas difficile. Je vous ai proposé une petite silhouette. Donc, ces fameuses bottines que j'ai choisies avec un talon assez haut, mais pas complètement aiguillé, qui accompagnent une jupe midi blanche ligne A, donc qui va épouser joliment la marche, un petit pull col roulé pour le côté sage, et un manteau dans un faux cuir vernis bordeaux avec un col camionneur. Et donc là, on est du col camionneur cosy avec le côté vinyle glam un peu vamp, le côté extrêmement casual sage du col roulé, extrêmement féminin classique de la jupe, plus ces bottines qui sont 90s et qui sont dans l'air du temps, eh bien, on a une silhouette qui fonctionne également. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les... Il y en a plein. J'étais obligée de... Je ne pourrais pas tout vous dire au sujet de toutes les boots et bottes de cette saison. Mais bon, il y a les Rangers, d'accord? Les Rangers, ce n'est pas non plus étonnant. Ce n'est pas non plus étonnant qu'elles soient là, présentes actuellement dans l'air du temps. Parce que, comment dire? La société, ce qu'on vit, tout ce qui est en termes de géopolitique... En ce moment, on se sent des choses assez belliqueuses. Vous voyez, Taïwan, le début du conflit ukrainien, c'était quand ils ont créé les collections. On a une ambiance, et on a une ambiance de combat, un combat féministe, un combat écologique. Vous voyez, voilà, on a vraiment une sorte de... Et puis les gens, c'est assez rigolo d'ailleurs, sont pour qu'on fasse la guerre, pour qu'on fasse la guerre à un tel, et faut y aller. Alors avant, c'est marrant, ils ont oublié qu'il y avait eu le Peace and Love dans les années 70. Donc on a ces envies guerrières. Eh bien, une fois de plus, la mode l'a bien senti et il nous propose des Rangers plus ou moins revisités. La Ranger, c'est quoi? C'est la boots que les bidasses ont dans leur sac, dans leur paquetage et qui sont hyper inconfortables et qui donnent des ampoules. Et j'espère que maintenant elles sont plus confortables. Mais bon, voilà, comme c'est une boot, vous pouvez très bien mettre une Doc Martens, vous pouvez mettre une bottine qui est noire avec une semelle un petit peu massive, ou vous pouvez aller sur un modèle avec le rabat, avec les sangles, avec des choses plus marquées, army, d'accord? Quoi qu'il arrive, ces petites chaussures qui vont être déclinées, je vous dis, avec des semelles plus ou moins épaisses. On peut avoir des énormes semelles crantées, on peut avoir de multiples boucles, on peut... Voilà, c'est... Après, vous y allez en fonction de vos goûts, si vous voulez quelque chose de très marqué ou de plus subtil. Ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Mais vu que ces bottines, boots, ont un ADN army, militaire, pour trouver les éléments qu'on va leur associer, eh bien, on va essayer d'aller à l'inverse du côté militaire, violent, brut, etc. Donc, masculin. Donc, on va aller sur du féminin, du doux, des angles arrondis, des matières soyeuses, des imprimés fleurs bleues, vous voyez, pour contrebalancer ces bouts de ça. Donc, ou du sage, comme une mini jupe en tweed, ok, ça peut fonctionner, mais on met pas au-dessus un top crop ou un... Bon, non, un top crop, non. Ok. Je ferais que je fasse une vidéo rien que sur le top crop, mais c'est un autre sujet. Mais on met un gros pull. On met un gros pull, donc on a le côté sensualité de la mini jupe. Roots et assez premier degré de la bottine Rangers, et un gros pull ou un gros gilet avec une petite chemise, ou un petit caracou en dessous pour contrebalancer le côté sexy de la mini jupe, qui est déjà aussi un peu contrebalancé par le fait que ça soit en tweed et pas en cuir, par exemple. Sinon, on met une robe, je pense que c'était chez Burberry en 2000. Je sais, il faudrait que je regarde. Regardez dans Burberry à ce niveau-là, quand c'est à peu près à cette période-là, parce que c'était Bailey qui faisait ça, des longues robes en mousseline. Et je pense que les boots, c'était un peu roots, avec des grands gilets. Et on veut ça, on veut cette douceur, on veut une douceur qui est contrebalancée par la non-douceur des boots, d'accord? Donc, jupe fluide midi avec un blazer en velours. Vous voyez, on veut des choses qui englobent, qui sécurisent, et même des choses raffinées. Pas trop
trop, enfin, elle n'est pas trop dans le raffiné, genre le col, vous voyez, le pêle à tarte, etc. Ça, c'est un peu too much. On arrive peut-être directement dans le punk grunge. Non, aller vers des choses plutôt féminines, plutôt douces, de langue, enfin des matières comme du mohair, de la mousseline. Voilà. Et, voilà. Et là, je pense que vous ne pourrez pas trop vous planter. Donc là, on était sur la Rangers. À côté, à peu près, dans la même famille, on a la Boots Biker qui revient. Alors pourquoi elle revient, la Boots Biker? Ben, simplement parce que Miuccia Prada, chez Miu Miu, l'a remise au goût du jour. Parce qu'en fait, en ce moment, c'est vraiment chez Miu Miu que ça se passe. C'est rigolo, hein, mais toutes les influences, Miu Miu et Prada, mais plus Miu Miu, sont prises là. Les mini-jupes, les cropped, top hyper cropped. Et donc là, voilà, des chaussures, des boots qui évoquent la limite la botte pirate de Vivienne Westwood qu'elle a fait dans les années 2000 et quelques. Et donc c'est pareil, elle est plus massive là, celle-là. Mais je vous dis ça parce qu'elle a plein de sangles et les sangles peuvent être portées plus ou moins ben, ouvertes ou désanglées ou pas. Et donc dans ce cas-là, la botte se retourne et on porte avec des grosses chaussettes. Et moi, moi, je trouve ça assez canon. J'aime ce côté vraiment massif de la botte, très biker. Et ils en font une chez Jonac qui a l'air pas mal. Ça vaudrait le coup de l'essayer, je pense. En côté fauve, couleur fauve. Et bon, bah alors chez Miu Miu, ils nous la portent avec du mini ou avec du transparent. Moi, je la porterai avec du droit liquide. D'accord? Vous voyez, donc une jupe droite dans une matière comme de la. Enfin, ça peut être de la viscose, enfin ça peut être de la soie, ça peut être ce que vous voulez, mais vous voyez qu'il bouge, pas rigide, pas de rigide. Mais ça peut être aussi avec un simple jean, et ça on est en mode cool, mais vous voyez le bon cool, le cool qui a de la, je vais être vulgaire, qui a de la gueule. C'est-à-dire, vous mettez votre jean un peu droit, vous remettez vos grosses chaussettes au-dessus, vous faites froncer, vous mettez cette boot en dessous, vous mettez un t-shirt col rond blanc bien parfait et un blazer. J'ai vu ceux de Mister K là qui ont l'air. Vous m'en aviez parlé et effectivement ils sont vraiment pas mal. Et elle va en sortir un là qui doit être en octobre qui est canon. Ce genre de look avec un petit collier, une petite chaînette dorée, ouais, on est quand même super bien. Voilà. Après, alors là c'est le contre-pied total. Le contre-pied des boots de combat qu'on a, des boots énormes et hyper volumineuses qu'on a eu les saisons précédentes, on a les bottes talon aiguille, mais genre talon aiguille, genre les cuissardes de Vivienne dans Pretty Woman, mais en mode botte, qui s'installe. Alors, comment vous dire? En fait, on a une sorte de retour des codes assez primitifs, primaires de la féminité, mais une féminité sexy, ce qui est comme une sorte de réponse à je sais pas quoi. Enfin, c'est assez paradoxal. Enfin, ça m'étonne. Mais en fait, non, si, c'est une réponse au refus de cette séduction qu'on a incriminée dans tous les scandales ou toute cette image séduisante ou enfin, séductrice de la femme qu'on veut rejeter et qu'on veut nier quelque part. Et avec tous les trucs de MeToo et tout ça. Et qu'on veut occulter, et ben là, ils nous la mettent en premier degré. Genre, voilà. Si c'est bien porté, la botte à talon aiguille, et si vous savez marcher avec, pourquoi pas? Les plus élégantes seront celles où la jambe n'est pas galbée. Parce que quand c'est galbé, en fait, c'est moulant, mais genre très moulant. Et donc là, on est sur une botte chaussette. Donc très moulant plus talon aiguille, c'est très premier degré. Alors que si on a un talon aiguille mais avec une botte plus droite, on est moins dans quelque chose d'ultra sexy. On a plus de, comment dire, on a plus de jeu déjà dans la jambe. Le mollet bouge un peu et ça a tendance à affiner la jambe parce qu'elle n'est pas complètement saucissonnée dans la boots. Et en plus, on peut glisser des choses dans la botte, on peut glisser un jean slim, on peut glisser des grosses chaussettes et il peut se passer plus de choses. Voilà. Vous regarderez encore chez Céline. Là, pour moi, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Elle a des bottes à talons aiguilles
droite, elle a glissé son jean dedans, elle met un gros caban, on n'est absolument pas dans le premier degré, on n'est pas dans le truc, voilà, à la pretty woman. On est dans une sorte de nouvelle casualness urbaine qui fonctionne bien. Et là, cette silhouette, même moi qui suis en mode basket et Birkenstock, c'est comme ça qu'on dit? Birkenstock, je ne sais pas. Même moi, elle me fait envie, cette silhouette. Donc, si vous êtes capable de reproduire ce genre de silhouette et de ne pas céder à une sorte de truc, je prends les talons aiguilles et je mets une mini-jupe et je mets un décolleté ultra pigeonnant, bah pourquoi pas? Ça vaut le coup de tester. Et il faut savoir aussi marcher avec. Ou pas, il suffit d'apprendre aussi, mais portez-les à la maison, par exemple, pour vous faire le pied et pour pas vous retrouver dans la rue en marchant mal, parce que vos bottes pourront être aussi belles que vous voulez. Si vous ne savez pas marcher avec, ça ne sera pas joli. En termes de bottes, on a aussi les bottes cavalières. Alors là, on est dans notre chère Élisabeth II, dans cet esprit-là. Alors bien sûr, elle n'était pas décédée quand ils ont créé les collections, mais on avait toute cette série sur Netflix, The Crown, qui était déjà très présente. On a l'image de Diana et tout. Donc bref, les bottes d'équitation reviennent à la mode et c'est ce côté classique, british, très propre sur soi, à la Kate Middleton, qui est présent dans ce genre, dans ce genre de bottes qui peuvent se porter et qu'on peut être nickel en les portant pareil avec un jean droit, un jean slim avec une jolie chemise un peu longue et un blazer en tweed, un blazer à rayures, enfin ce que vous voulez. On peut difficilement se planter en ayant ce genre de look. Après, moi j'imagine aussi très bien ce type de bottes qui sont à peine revisitées avec juste une jupe assez courte et un gros pull de mec. Franchement, c'est canon. Ou une robe liquette et un barbeau. Et un bijou un peu fun sur l'oreille. Voyez? Bon, bref. Sinon, il y a les bottes d'équitation un peu plus massives, qui seront plus flatteuses parce que souvent elles ont plus d'épaisseur au niveau de la semelle et plus c'est fin, plus la botte a tendance à tasser la silhouette, plus c'est épais, moins ça tasse la silhouette. Et en plus on peut y glisser tout ce que voilà, chaussettes, pantalons, voilà, tout ce que vous voulez. Et puis on est voilà, moi je les trouve plus faciles, plus dans l'air du temps que les très classiques. Parce qu'elles ont ce côté un petit peu massif qui est quand même dans l'air du temps. Et qui l'est plus que le côté plus, voilà, plus gentleman, plus gentlewoman. Attention, plus c'est étroit, en fait, et plus c'est moulant, plus on peut porter des longueurs midi. C'est-à-dire, d'accord? Si c'est plus évasé, eh bien, on va porter des longueurs qui vont. Ou rentrer, enfin, ou des choses qui vont rentrer dedans, comme des pantalons qui vont rentrer dedans, ou des jupes qui seront un peu au-dessus. Parce que si on porte une longueur midi sur une botte qui est relativement large au niveau du mollet, ça alourdit aussi la silhouette. Moulant, on peut avoir du midi au-dessus. Évasé, on a du plus court. Ça, c'est important. Voilà, j'avais fait un petit look où c'était botte motarde, botte d'équitation un peu massive, une robe pull. Bien douillette, dessus un manteau kimono qui casse le côté casual de la robe, qui casse le côté roots de la botte, avec coloré et tout ce qu'il faut, et là-dessus un petit bonnet qui rappelle le noir de la botte, et on est bien, je pense. Et pour finir, j'ai encore deux choses à vous dire, c'est qu'on a les bottes plateforme. Alors, moi, j'ai du mal à être objective sur le sujet. Donc, j'ai vu nulle part dans le street style des bottes plateforme ou des boots plateforme qui étaient flatteuses, où je me disais waouh, cette silhouette est canon, et après j'essayais de la décortiquer et il y avait des boots plateforme, donc elle participait au fait qu'elle soit canon. Non. À chaque fois, je fais oh my god, oh mon dieu, les bottes, les boots, c'est affreux. Enfin, c'est pas que c'est affreux, c'est que ça déséquilibre le truc. On arrive sur du costume de scène en fait, donc on n'est plus. Si c'est un choix d'être une créature avec des proportions qui sont réinventées, pourquoi pas? Mais je pense qu'au jour le jour, quand vous allez au bureau, quand vous allez chercher vos mômes à l'école, ou voilà, vous n'avez pas forcément envie d'être une créature avec des nouvelles proportions. Donc, il faut trouver, si on a envie de ce genre de boots, il faut trouver des boots qui ne sont pas
qui ne sont pas disproportionnées. C'est-à-dire que pas avec un patin qui fait ça et un talon qui fait ça. La démarche ne sera pas jolie et on ne verra que ça. Et en fait, quand on voit que quelque chose dans une tenue, c'est raté. Il faut que ça soit qu'on voit un ensemble et après on peut décortiquer. Si on voit juste un truc, c'est que ça peut pas voler la vedette, d'accord? C'est souvent négatif quand ça vole la vedette. Donc, je vous conseille quoi? Si vous avez envie de ça, vous prenez juste un petit patin qui permet une hauteur de talon un peu plus haute que d'ordinaire, du sobre, du noir, du marron, et c'est tout. Parce que les autres chez Jonah qu'ils ont fait chez Shan, enfin tout ça. Et encore là, je vous les montre, c'est pas les pires, hein, c'est loin de là. Mais tout de suite, ça fait baby doll, ça fait manga, ça fait. Après, c'est un style particulier, mais après, c'est tellement un élément d'un style particulier, quand on essaie de le mettre dans la généralité de tout le monde, ça crée des petits accidents stylistiques. Mais comme je vous dis, si vous aimez, allez-y. Je vous aurais prévenu. Après, on se retrouve avec le retour des cuissardes. Alors, les cuissardes. J'ai fait un petit tour de ce qui était proposé dans l'offre actuelle. Alors, quand on te sort une cuissarde qui est à talons aiguilles, en vinyle, qui fronce et qui est comme ça en entonnoir sur la cuisse, j'ai du mal à voir qui peut porter ça dans la vie de tous les jours. Des fois, elles sont à plateforme. L'offre est compliquée, d'accord? Les seules que je trouve correctes, c'est les Stuart Weitzman, mais c'est les mêmes, en fait, depuis, je ne sais pas depuis combien de temps existe ce modèle, depuis au moins 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et le talon est mesuré, même s'il est un peu grand, mais il est quand même mesuré. Elles sont en daim, elles sont moulantes, et si on a envie de porter de la cuissarde, mais en fait, elles sont parfaites parce qu'elles vont permettre de porter de la robe pull, de porter des robes midi, bien sûr avec les cuissardes on met pas de mini jupe parce que c'est redondant, c'est trop sexy sur sexy. Et avec les cuissardes, on ne sait qu'on ne voit pas la fin de la cuissarde. L'idée c'est que la robe ou la jupe tombe bien au-delà de la fin de la cuissarde. Il faut que la jupe, vous voyez, la cuissarde se finit mi-cuisse et la jupe ou la robe se termine à ça au-dessus du genou. C'est ça qui est joli dans une cuissarde. C'est pas quand on voit un interstice de peau. Et ça, sur les dernières Fashion Week, ils se sont pas gênés. On voit l'interstice de peau parce qu'ils les mettent avec des mini-jupes, avec des shorts en cuir, alors que la cuissarde est en cuir. On évite les trucs cuir sur cuir. On évite la cuissarde avec du très très court. On évite la cuissarde avec du sexy. Ça marche sur une Fashion Week parce qu'ils ont envie, c'est le premier degré ne les dérange pas, ça impacte au niveau de l'objectif des photographes. Mais dans la vraie vie, cherchez pas en fait, parce que ça peut très très vite faire vulgaire. Et les cuissardes plates ne fonctionnent qu'avec les personnes qui sont vraiment grandes et qui ont les jambes très fines, sinon ça tasse. Donc il faut un minimum de talons, évitez le talon aiguille, prenez un talon bottier. Et voilà, après c'est un investissement parce que c'est une pièce qui demande pas mal de cuir, qui est pas forcément facile à réaliser. Si vous en avez envie, investissez dans un joli modèle et Stuart Weitzman, je pense que c'est pas mal. Voilà, sur ce que j'avais envie de vous dire au niveau des cuissardes. Voilà. Après, j'ai envie de vous parler d'un petit truc. Vous savez, il y a les Fashion Week actuellement. Et il y a eu la Fashion Week de Milan. Et la Fashion Week de Milan, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les maisons envoient des invitations. Et c'est un peu à qui fera la plus belle invitation, la plus originale, l'invitation qui se retrouvera sur Instagram photographiée un milliard de fois. Et chez Diesel, qui est une marque de jean, qui défile, donc il fait pas que du jean, enfin il traite le jean, mais en plein de vêtements différents. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Ils ont envoyé un plug anal. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous irez voir sur Internet. Je n'ai pas forcément envie de vous expliquer. Donc un plug anal qui ressemblait plus ou moins à un bijou. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais. Je me suis dit déjà, c'est tellement... je me suis dit, c'est même pas choquant, tellement c'est paresseux. C'est-à-dire que c'est en 2015 quand même que McCarthy a fait son plug anal sapin là, sur la place Vendôme. 2015. On est en 2022. Donc, si on n'est pas capable de trouver autre chose que ce truc-là
pour, entre guillemets, faire du buzz, entre guillemets, choquer, eh ben franchement, on peut rester couché. Donc, ça m'a, je me suis dit, aujourd'hui, le sexe, la façon dont elle s'est traitée dans la mode, ça ne crée plus le buzz. Ça ne crée plus vraiment le buzz. Mais il continue, il continue. Et puis, il continue comment dire, à aller toujours un peu plus loin, parce que vu que ça, le truc de base ne fait pas recette, ne fait pas, enfin, ne crée pas de sensation de surprise chez les gens, parce qu'on en voit tellement, qu'ils vont toujours un petit peu plus loin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une paresse incroyable aujourd'hui. Si il y aurait moyen de faire du buzz, de faire parler de soi autrement qu'en proposant des choses qui sont liées au sexe, autrement qu'en faisant défiler des mannequins qui recherchent leur identité. Que c'est, mais on était, c'est, comment dire, c'est déprimant, en fait. C'est déprimant. Et au-delà de ça, ça banalise complètement, en fait, quelque chose qui devrait être de l'ordre de l'intime. Et on en arrive, en fait, à ce qui se passe sur Instagram, où moi, je suis sur Instagram à cause du travail, tout ça. Et donc, je suis plein d'influenceuses. Et c'est des influenceuses qui, de temps en temps, leur look peut m'intéresser pour faire des brèves. Donc, je vous parle de ces influenceuses-là. Eh bien, chez ces influenceuses-là, il y a une hypersexualisation. C'est-à-dire que elles font des photos où on voit la moitié de leur sein, on les voit en string. On les voit dans des poses lascives avec leur conjoint ou leur mec. Tout ça comme si c'était tout à fait normal. Comme si il n'y avait plus aucune barrière entre ce qu'on montre et ce qu'on réserve pour l'intime. Et je suis pleine de questionnements par rapport à ça, parce que d'un côté, on a tout ce mouvement féministe qui cherche à émanciper la femme de cette image de poupée qui lui colle à la peau depuis des siècles. Et en même temps, on a toutes ces filles qui y vont, mais à 4000% dans le côté bimbo, dans le côté femme-objet, dans le côté je ne suis qu'une paire de fesses ou une paire de seins. Et d'avoir ces deux choses dans la société, et souvent, ces mêmes filles qui font ces photos-là peuvent avoir un discours féministe à côté ou mettre un hashtag féministe, vous voyez. Et moi, je suis complètement perdue. En fait, on est dans des paradoxes continuels, et avec peut-être le seul désir de vendre ou de faire des likes ou de faire des vues, etc. Mais on en arrive à une perte de sens complet. Bref, tout ça pour vous dire que la mode fait un peu n'importe quoi sur le sujet et que c'est bien dommage. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.